Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous! Salutations à toutes les femmes dans le nom de Jésus. C'est une joie pour les responsables du ministère de la Femme de l'Union des Antilles et Guyane française de partager ce sabbat dédié à la prière. Et nous nous réjouissons de cet espace ô combien opportun pour chacune de nous dans un temps comme celui-ci. Un auteur bien connu de chez nous, Madame Ellen G. White, dans son livre « Vers Jésus », considère la prière comme une union ininterrompue de l'âme avec le Seigneur. Et elle dit encore que la prière, c'est la respiration de l'âme. Oui, la prière est importante, mais la constance dans la prière est une nécessité. Cette journée de prière revêt une plus grande importance quand on considère l'étendue de la pandémie que nous subissons depuis quelque temps, ainsi que ses conséquences psychologiques, physiques et même spirituelles. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres, mais aussi pour les décisionnaires, ceux qui gèrent la cité, pour nos dirigeants spirituels, afin que leurs décisions soient dans le droit fil de la parole de Dieu. Je souhaite du fond du cœur que cette journée nous aide à tenir ferme, à garder la foi en Dieu. Bienvenue. Prions. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour cet espace que tu nous donnes pour vaquer à la prière. Merci pour ton soutien, ton aide. Et nous pensons à toutes les femmes qui en ont besoin. Celles qui sont dans la détresse, celles qui sont dans la souffrance, qui sont malades, mais aussi celles qui voudraient s'engager pour toi dans ces temps difficiles. Merci de rester avec nous durant ce programme. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Car tu es important à nos yeux, oui tu es important. Nous te saluons car tu es important à nos yeux, oui tu es important. Nous te saluons car tu es important à nos yeux, oui tu es important. Nous te saluons car tu es important à nos yeux, oui tu es important. Nous avons prié pour que vienne ce jour où tous ensemble nous pourrions louer Dieu. Assemblés ici en un même lieu, nous élevons nos voix pour l'adorer. Nous te saluons car tu es important à nos yeux, oui tu es important. Nous te saluons car tu es important à nos yeux, oui tu es important. Nous te saluons car tu es important à nos yeux, oui tu es important. Nous te saluons car tu es important à nos yeux, oui tu es important. À nos yeux, à nos yeux, oui tu es important. À nos yeux, oui tu es important. Thank you.
joint à terre. Les tristesses qu'a envahi moi, les tout problèmes vais tomber à six mois. Moi rester là qu'à attendre vous sans parler. Moi tant de voix qu'à dire moi prends courage. Ou levez-moi, ou rôtez-moi en noisette. Pour mener-moi, la lumière qu'a éclairé. Avez-vous, non, aïe, un pas impossible. Ou levez-moi, ou mettez-moi debout. Les moins à terre, les tristesses qu'a envahi moi, les tout problèmes vais tomber à six mois. Moi rester là qu'à attendre vous sans parler. Moi tant de voix qu'a dit moi prends courage. Ou levez-moi, ou rôtez-moi en noisette. Ou menez-moi, la lumière qu'a éclairé. Mettez-moi debout. Ou levez-moi, ou rôtez-moi en noisette. Ou menez-moi, la lumière qu'a éclairé. Avez-vous, non, aïe, un pas impossible. Ou levez-moi, ou mettez-moi debout. Ou levez-moi, ou rôtez-moi en noisette. Ou menez-moi, la lumière qu'a éclairé. Avez-vous, non, aïe, un pas impossible. Ou levez-moi, ou mettez-moi debout. Ou levez-moi, ou mettez-moi debout. Je suis venu au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisi par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui, pour propager son immense amour. Je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai Seigneur. Oui, j'irai.
aujourd'hui, prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu. Aimée, sauvée, choisie par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai. Me voici, Seigneur. J'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai. Un bref historique du département des ministères des femmes. S'il est vrai que le département du ministère des femmes n'était pas pleinement reconnu par la Conférence générale jusqu'en 1995, à partir des années 1800, l'Église adventiste du septième jour a reconnu l'importance des ministères des femmes. Ce département a commencé en 1898, quand Madame Sarepta Miranda, dans une lettre adressée à Ellen White, en a rédigé l'esquisse. Elle reçut une lettre de créance de la Conférence générale et devint la première directrice des ministères des femmes de la Conférence générale. La session de la Conférence générale d'Utrecht a marqué une étape décisive pour les ministères de la femme. En juillet 1995, la session a voté le plein statut de département pour le ministère des femmes. Rose Otis a été élue à cette époque directrice des ministères des femmes de la Conférence générale. Aujourd'hui, ce département a une dimension mondiale. Chaque division a une directrice élue qui supervise le département et a la responsabilité de fortifier spirituellement, de soutenir et de former les femmes. Maëva Libert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice vous-même du département des ministères de la femme au sein de votre église. Pourquoi avez-vous accepté de diriger ce département? Alors, depuis quelques années, dans mon parcours de mère ainsi que d'épouse, le Seigneur m'a inspirée de pouvoir être dans cette mission d'aider l'autre, surtout d'aider la femme. Alors, lorsqu'il y a eu les nominations, je me suis sentie poussée par l'esprit de pouvoir proposer ma candidature afin de pouvoir officier au sein de ce ministère. Et par la grâce, je fus nommée.
C'est un département qui a une philosophie. Exactement, Marine. Alors, la philosophie de ce département est la suivante. Le département du ministère de la Femme s'engage à encourager, stimuler, équiper et fortifier les femmes adventistes pour qu'elles fassent leur part dans le monde ainsi que dans la prédication de l'Évangile. La sœur White nous dit ceci dans le manuel ministère, le ministère de la bienfaisance à la page 110. Le Seigneur a une œuvre pour les femmes aussi bien que pour les hommes. Elles ont un rôle à jouer à notre époque de crise. Elles accompliront dans les familles une œuvre que les hommes ne sauront faire. Une œuvre qui atteint les profondeurs de la vie intérieure. Elles arriveront à s'approcher des cœurs que les hommes ne peuvent atteindre. Leurs travaux sont nécessaires. Une bien belle philosophie, mais qui est soutenue, Maëva, par une vision. Oui, tout à fait. La vision spirituelle du département des ministères des femmes est de connaître Jésus passionnément, de le servir et de former d'autres femmes à être disciples. Cette vision est portée par une déclaration d'intention, mais également une déclaration de mission. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Cette déclaration d'intention, son objet principal au sein du ministère des femmes est de fortifier, comme je l'ai dit auparavant, d'encourager et de soutenir les femmes adventistes dans leur vie de disciples de Jésus-Christ et de membres de son Église. En accord avec le comité et d'autres départements de l'Église, il partage la responsabilité de développer une stratégie globale d'évangélisation et de fournir le matériel nécessaire de formation pour équiper les femmes à élever Christ dans l'Église ainsi que dans le monde. Dans le livre « Témoignage de notre sœur White », volume 1, page 691, il est écrit ceci. « Nous pouvons faire une belle œuvre pour le Seigneur si nous le voulons. La femme ne connaît pas sa puissance. Il y a un but plus élevé pour la femme, une destinée plus noble. Elle doit développer des facultés pour que Dieu l'emploie à sauver des âmes de la ruine éternelle. » Le département du ministère des femmes se concentrera sur 6 défis identifiés par les directrices de ces départements dans toutes les divisions et votés au sein du comité consultatif du département des ministères des femmes à la conférence générale comme étant des obstacles qui empêchent les femmes d'atteindre leur plein potentiel. Alors, ces 6 défis, Marilyn, sont les suivants. La lutte contre l'analphabétisme, contre la pauvreté, les menaces sanitaires, contre les charges de travail, aussi la charge mentale, contre les abus, et aussi de permettre la formation et l'accompagnement pour un plus grand engagement dans la mission de l'Église. La déclaration de mission nous aide à mieux comprendre comment la femme peut s'insérer et intervenir dans cette grande œuvre d'évangélisation. C'est cela. Le département du ministère de la femme existe pour soutenir, encourager et stimuler les femmes adventistes dans leur cheminement de disciples de Jésus-Christ et de membres d'église mondiale. Notre mission est celle de tous les chrétiens, c'est-à-dire glorifier dans l'église et dans le monde. Christ. Mais plus particulièrement... Tu as raté glorifier Christ. Ah, pardon. De glorifier Christ dans l'église et dans le monde. Reprends tout. D'accord. La déclaration de mission est la suivante. Le ministère des femmes existe pour soutenir, encourager et stimuler les femmes adventistes dans leur cheminement de disciples de Jésus-Christ
et de membre de son Église mondiale. Notre mission est celle de tous les chrétiens, glorifier Christ dans l'Église et dans le monde. Mais plus particulièrement, nous sommes appelés à valoriser les femmes comme des personnes inestimables parce que créées et rachetées, permettre aux femmes d'approfondir leur foi, de vivre une expérience spirituelle et d'être régénérées, créer des réseaux parmi les femmes au sein de l'Église mondiale pour encourager les liens d'amitié, s'encourager mutuellement et échanger. Guider les jeunes femmes adventistes comme moi-même, encourager leur engagement et créer des opportunités pour qu'elles développent leur potentiel en Christ. Faire face aux inquiétudes des femmes dans le contexte de la mondialisation. Inclure les problèmes particuliers des femmes à l'ensemble des défis auxquels l'Église mondiale fait face. Chercher des orientations pour un service chrétien dynamique des femmes. Et dernier point, lancer à chaque femme adventiste le défi d'aider avec ses capacités d'autres femmes et d'hommes à développer leurs talents alors qu'ils travaillent côte à côte pour faire avancer la mission mondiale de l'Église adventiste du septième jour. Grâce à la plénitude que nous, en tant que femmes, avons personnellement trouvée en Jésus-Christ, nous pouvons être capables de partager la bonne nouvelle au sein de nos familles, parmi nos frères et par extension et plus que jamais au sein de la société. Alors, Hélène White nous dit dans Ministère de la Bienfaisance à la page 111, ce qu'il nous faut, ce sont des femmes consacrées qui, comme des messagères de miséricorde, visiteront les mères et les enfants dans leur foyer. Voilà donc ce qu'est le ministère de la femme. Chères sœurs, au nom de toute l'équipe du ministère de la femme de l'Union, Dixie Marilyn, Kyokyon Rosemary, Bic Merlin et Florentin Katia, et en mon nom personnel, nous vous disons bon courage dans le Seigneur. Alors que le protocole sanitaire dû à la COVID-19 se traduit par une distanciation des gestes barrières, je viens, au travers des moyens techniques, vous faire une grande accolade, une grande embrassade. Je vous dis, tenez ferme. Tenez bon, visons l'excellence, même en temps de crise. Rien ne laissait augurer des jours aussi calamiteux et effroyables. Chacun menait sa propre vie avec des hauts et des bas, en essayant de maintenir la tête hors de l'eau. D'aucuns s'imaginaient de plus en plus riches, de plus en plus remplis de pouvoir, investi d'une suprématie, d'une supériorité. Ce fut la consternation dès que la COVID-19 a pointé son nez. Désillusion. Ceci m'incite à faire le lien avec un roi attendu, imaginé, rempli de faste, d'autorité, de prestige, de pouvoir. Désillusion. Jésus modestement marchait, cherchant les malades, relevant le statut des femmes, réhabilitant les méprisés. Loin de l'idéal envisagé par tous, au point de ne pas le reconnaître comme sauveur de l'humanité. L'heure n'est pas à la désillusion. Si notre vie chrétienne au quotidien ressemblait à une attente passive, la survenue de la COVID nous pousse à y réfléchir, à réfléchir, à nous interroger sur notre appartenance, notre vécu, notre mission.
Que dois-je faire? Que me reste-t-il à faire? Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi? Quelle que soit la situation familiale, ta situation sociale, ton identité, ton physique, Jésus est l'homme qu'il te faut, car il ne jette aucun regard déplaisant sur toi. Il te dit, tu as de la valeur, va vers l'excellence, va vers ta mission. La mission est grande, alors ton don est à découvrir pour avancer, pour exceller. La mission est grande et la question est, comment impacter mon environnement en temps de crise? La mission est grande et la question est, quelle est ma mission de vie? Chères sœurs, je vous encourage à rester debout, à vous redresser, à ne pas abandonner. Christ revient. Et je vous laisse avec ce verset de Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que le Seigneur vous bénisse.
choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les yeux. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Oh, oh, oh. Voici quel est mon Dieu. Oh, oh. Voici quel est mon Dieu. Oh, oh, oh. Voici quel est mon Dieu. Bienvenue à tous dans ce moment de partage et de réflexion autour de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Faire l'impensable ». Le texte biblique qui nous est proposé, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à incliner la tête et à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment de partage et de réflexion que tu nous permets d'avoir. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre ce que toi, tu as à nous dire. Ouvre nos cœurs et nos pensées à l'écoute de ta parole et que toi seul sois vu et entendu au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, alors qu'on nous parle de Jésus qui était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous pouvons voir dans le thème de cette semaine que l'on nous parle de trois sujets. L'éternel serviteur, le Messie, le serviteur souffrant, et le Messie, rédempteur et roi. Quand on va un peu plus loin dans le texte d'Ésaïe au chapitre 53, il nous est écrit que méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mes chers amis, quand nous regardons ce texte, que nous voyons qu'il est parlé donc de Jésus qui s'est sacrifié pour nous, pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés, nous permettre d'être sauvés, cela nous emmène à beaucoup de questions. Et cela aussi nous conduit à voir une chose de manière différente. Jésus n'est pas arrivé tout simplement à l'âge auquel il a été crucifié. Il est né, il a grandi parmi des êtres humains, parmi nous, il a fait toutes ces années avec des parents, une famille, des amis, et il a grandi et il a travaillé. Ce qui signifie qu'il a traversé certains événements, situations que nous traversons. Et j'en dirais, pour couronner le tout, toute cette souffrance et cette douleur que nous ressentons pendant notre vie, Jésus fut accablé de la douleur et de la souffrance du péché. Il a traversé aussi l'humiliation. Tout ça en très, très peu de temps. Qu'est-ce que cela peut nous apporter à nous aujourd'hui? Alors que nous sommes dans une journée particulière, le jour de la prière des femmes, je voudrais aborder ce thème d'une manière qui va aider aussi bien les hommes que les femmes. N'oublions pas une chose, quel que soit, qui que soit que nous soyons, quel que soit l'être humain, la nationalité, le pays, nous avons tous une mère. Nous avons pour beaucoup une épouse. Et nous avons pour beaucoup des filles. Ce qui signifie que quoi qu'il arrive, il y a au minimum toujours une femme qui a fait partie de notre entourage à un moment ou à un autre de notre vie. Et pour cela, il est important de comprendre certaines différences qui vont non seulement nous permettre, certes, de les aider, de les comprendre, mais en les comprenant, de comprendre aussi certaines de leurs réactions.
et par conséquent, d'arriver à mieux se comprendre les uns les autres et à mieux élever, éduquer, entourer et encourager les jeunes filles et les jeunes femmes que nous connaissons. Une des premières choses, c'est qu'il faut comprendre que les problèmes émotifs des femmes sont en réalité souvent le résultat d'un contexte de violence et de stress constant plutôt qu'un symptôme d'une maladie. Donc une situation, une particularité émotive, un problème émotif, c'est pas simplement que la personne est malade. C'est le plus souvent qu'elle fait face à une situation de violence et de stress constant ou qu'elle a fait face à une situation de stress importante et un contexte de violence. Ensuite, il y a une chose qui est capitale et importante. Nous avons souvent l'habitude de dire « mais non, c'est pas grave ». C'est vrai que si un enfant tombe, ça fait un petit peu mal, c'est pas très grave. Mais mes amis, un traumatisme est réel et c'est d'une grande gravité. Je ne dis pas que le monde va tourner autour de ce traumatisme, mais il faut savoir le reconnaître en tant que ce qu'il est, un traumatisme. Regardez bien dans le verset que nous avons lu. Quand on parle de Jésus, on dit bien qu'il a été méprisé, abandonné des hommes. On explique bien tout ce qui s'est passé. Nous l'avons dédaigné, il a été habitué à la souffrance, il a été considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Nous décrivons la réalité de la souffrance de Jésus, qui à ce moment-là était 100% humain, tout en étant bien sûr 100% divin. Mais il était sur cette planète Terre. Pourquoi ne pouvons-nous pas reconnaître de la même manière les traumatismes de ceux qui nous entourent? Et quelque chose qui fait un peu plus la différence entre les hommes et les femmes, les inégalités sociales. Nous savons tous qu'il y a des inégalités sociales, que dans certains pays, les inégalités sont encore plus importantes que dans d'autres. Mais ces inégalités accroissent encore les difficultés. Et puis, pour toute personne qui se trouve dans ces situations, confronter sa douleur, il est très difficile d'y faire face. Je ne dirais jamais non. Mais si nous n'essayons pas, nous ne pourrons jamais arriver au bout du chemin. Et quand on regarde tout cela, on se rend compte que par rapport à cet épisode de la vie de Jésus, donc la fin de sa vie, on peut se permettre de faire un certain parallèle avec ce que nous vivons. Les femmes ont des réactions au souvenir de mauvais traitements assez particulières. Elles développent certains mécanismes de défense, certains sont retrouvés chez les hommes, mais ces mécanismes sont plus accrus chez les femmes, beaucoup plus présents. Les cauchemars, perturbations du sommeil, la dissociation, la dépression, l'humiliation, la colère, la haine de soi. Malheureusement, après avoir traversé certains traumatismes, les femmes se détestent elles-mêmes, alors qu'elles ne sont pas responsables. Et encore à plus forte raison face aux enfants, elles ne sont pas responsables de ces traumatismes. Ensuite, quand elles essaient de s'en sortir, il y a souvent un sentiment d'isolation qui se crée, puisqu'on essaie de trouver une place, on essaie de voir comment on gère la situation. Et souvent, on va s'écarter de certaines personnes ou de certains événements, de certains contextes, parce que quoi qu'il arrive, on a encore une certaine crainte et on ne sait pas de toutes les manières comment le gérer. Et aussi, très souvent, elles se culpabilisent. Nous savons que la culpabilité, ce sentiment en effet d'avoir commis quelque chose de mal, c'est quelque chose que l'on retrouve face à Jésus. Pour que Jésus me pardonne mes péchés, pour que Dieu me pardonne mes péchés, je dois, oui, les reconnaître. Donc, arriver à ce sentiment de culpabilité dans le sens où je reconnais ce que j'ai fait de mal pour le présenter à Dieu, demander pardon et qu'il puisse me laver, me purifier et que j'avance. Mais dans le contexte de mauvais traitement, ce sentiment de culpabilité qui est développé en tant que mécanisme de défense est injustifié. Je précise bien, dans le contexte des mauvais traitements, ce mécanisme de défense de culpabilité est injustifié. Et quand nous regardons tout cela, nous voyons que Jésus aussi a fait face à ça, à cela, à la fin. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il nous faut comprendre que nous avons besoin de beaucoup de temps pour guérir de ces blessures, guérir de ces meurtrissures.
Jésus a traversé cela, puis il a été crucifié. Sa vie n'avait pas le même objectif que notre vie, parce que lui, son sacrifice et sa résurrection nous permet d'avoir la vie éternelle. Donc nous ne pouvons pas comparer en aucune manière, en aucun point, la fin de vie de Jésus dans le sens de dire que oui, mais Jésus a souffert après. Non, il fallait qu'il passe par là pour que je sois sauvé, pour que vous soyez sauvés, pour que nous soyons sauvés. Seulement, nous pouvons comprendre que ces sentiments que nous ressentons sur une longueur, Jésus a tout pris sur son dos. Et il sait donc, par conséquent, à quel point c'est douloureux, à quel point ça fait mal, et que cela demande du temps, et très souvent beaucoup de temps avant de guérir. Et il sait aussi que malheureusement, très souvent, il faut que l'on se sente mal avant de se sentir enfin mieux, de se sentir enfin libéré, délivré. Et à ce moment, nous voyons que les choses se présentent d'une manière positive pour nous. Quand nous regardons les écrits où tout est expliqué concernant la vie de Jésus, on détaille après la partie avant qu'il ne meure, crucifié, on explique tout. Il est passé devant Pilate, devant les prêtres, on a écouté ce qu'il a dit, il a écouté ce que les personnes ont dit, et il a en effet répondu, mais es-tu le Fils de Dieu? Tu le dis. Quand nous écoutons, nous lisons cette histoire, nous éprouvons du respect. Nous écoutons ce qui s'est passé et nous avons de l'empathie pour Jésus qui a souffert tout cela pour nous. Nous prêtons attention justement à ces détails, à ces informations, afin de comprendre à quel point il a souffert pour nous sauver. Mes chers amis, qu'est-ce qui nous empêche d'écouter, de manifester du respect, de l'empathie et de l'attention auprès des personnes qui ont subi de mauvais traitements comme Jésus lui-même l'a subi? En sachant que ces personnes sont encore là avec nous, elles sont autour de nous et elles ont besoin de nous dans leur vie. Elles vont parfois avoir certaines attitudes, certaines réactions que l'on ne va pas comprendre. Mais c'est normal, elles ne se sentent pas bien avec elles-mêmes. Pour les personnes qui ont subi ou qui subissent encore des mauvais traitements, il va être important pour vous de comprendre une chose. Vous méritez de vous traiter avec respect. Tu mérites d'être traité avec respect, d'avoir de l'empathie pour toi-même. L'empathie ne veut pas dire, bon, mais comme j'ai subi de mauvais traitements, j'agis mal, c'est normal, laissez-moi tranquille. Cela veut dire, cela se comprend que j'agisse mal parce que j'ai subi de mauvais traitements. Cela se comprend que mes réactions ne correspondent pas forcément. Mais cela aussi se comprend que je dois aller chercher de l'aide auprès de personnes qui vont m'écouter, me respecter, me manifester de l'empathie et prêter attention à ce que je dis. Dieu permet qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, nous puissions avoir accès à différentes choses, différents outils, différents éléments et personnes pour nous permettre de traverser nos difficultés. Il est un peu plus facile pour nous d'apprendre au fur et à mesure à cultiver des images positives dans la tête, avoir une imagerie mentale auto-positive, comme on le précise. Aussi, apprendre à avoir un certain auto-réconfort. Mais pour cela, nous avons besoin de nous orienter vers les professionnels appropriés pour nous aider dans cette démarche. Nous avons aussi, en tant que ressources externes, notre famille, des amis, des endroits où on peut se sentir en sécurité. Je ne dis pas que tout est facile. Je suis en train d'expliquer que Jésus nous montre, par sa vie, qu'il sait, il a une réelle idée de ce que nous souffrons. Il a une réelle idée de ce que nous traversons. Et pour cela, voilà ce qu'il nous propose. Lui, il sera toujours à notre écoute. Il va toujours nous respecter. Il va toujours manifester de l'empathie envers nous. Il nous prête toujours attention, sans jamais se détourner, sans jamais sourciller. Il est auprès de nous parce qu'il sait que quelles que soient nos réactions, c'est parce que nous avons mal et que nous avons besoin d'aide. Et cette aide, il va la manifester par rapport aux personnes qui vont nous entourer. Les personnes qui vont nous soutenir,
membres de famille proches ou éloignés en fonction de la situation, les amis, nous procurer tant que possible, parce que certaines fois les situations sont très compliquées, un endroit où on va se sentir en sécurité. Mais il a aussi prévu des pasteurs, des professionnels, des psychologues et autres, des médecins, pour nous permettre d'évacuer, d'alléger notre mental, d'alléger notre souffrance, de pouvoir exprimer ce qui nous fait mal et de pouvoir au fur et à mesure acquérir ces outils qui vont nous aider. Et par-dessus tout, Jésus est en train de nous dire, écoute, j'ai été blessé et toi aussi tu es blessé. Nous n'avons pas vécu les mêmes situations et circonstances, mais j'ai ressenti l'ensemble du fardeau de l'humanité quand j'étais à la croix. Donc oui, je sais ce que tu ressens. Et pour t'aider, je mets non seulement toutes ces personnes avec toi, autour de toi, mais tu peux me faire confiance. Tu peux me faire confiance quand tu dois faire face à ces moments difficiles et de douleur et de blessures. Si nous n'y faisons pas face, nous ne pourrons pas nous en sortir. Mais avec le soutien de Dieu, que va-t-il se passer? Oui, quand je suis avec un professionnel, un ami, un parent vers qui j'exprime cette douleur et cette souffrance, cette personne est là. Et au bout d'un moment, bien sûr qu'elle va partir. Bien sûr qu'on peut même aller se coucher en étant dans le même lit, la même chambre, mais chacun prend sommeil, chacun est seul avec son cerveau. Sauf que Dieu est présent avec le cerveau de chacun d'entre nous et ne nous abandonnera jamais. Là, il est prêt à nous dire, il nous dit « je t'aime ». Mes amis, faire l'impensable, Jésus l'a déjà fait par son sacrifice, par lequel il a déjà ressenti toutes ces douleurs et souffrances que nous ressentons. Et vous savez quoi? Il nous dit « je suis déjà là pour toi ». Mais mon petit souci, c'est que si tu restes inaccessible à moi, je ne pourrai pas t'aider. Soyons accessibles à Dieu. Permettons-lui, alors que nous nous retrouvons dans nos réflexions personnelles, toutes ces fois où nous sommes seuls avec nous-mêmes, permettons-lui de nous donner la force et le courage. Gardons une chose en tête. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 31 et au verset 3, Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel ». L'amour de Dieu n'est pas l'amour de l'homme. L'amour de Dieu n'est pas l'amour de l'être humain, pour être plus précise. Un amour qui va dépendre de la manière dont je me suis réveillée, de mon état de nervosité, de mon état de stress à moi aussi, de mes traumatismes à moi. Il est égal, équilibré, constant. Il ne s'arrête jamais et ne varie jamais. Et la suite nous dit « C'est pour cela que je te conserve ma bonté ». Au milieu des difficultés, de tous nos problèmes, une chose est sûre, Jésus a déjà fait l'impensable. Il est venu sous forme humaine, 100% humain et 100% divin. Il a supporté, il a pris sur son dos, sur sa charge, nos souffrances et nos douleurs. Et là, il nous dit, non seulement je suis là pour que tu sois pardonné, mais je suis là aussi pour que tu sois libéré de tes douleurs et de tes souffrances. Que tu arrêtes de te culpabiliser pour ce qui ne revient pas de toi. Demande-moi pardon pour tes erreurs. Oui, je vais te les pardonner. Mais les conséquences des mauvais traitements des autres personnes, tu n'en es pas responsable. Mais si tu viens à moi, je vais t'aider à pouvoir te libérer de cette culpabilité qui, dans ce contexte-là, est mal placée et te permettre d'avancer parce que je te conserve ma bonté. Avec moi, tu verras qu'est-ce qu'est le véritable amour. En discutant avec moi, en échangeant, en me faisant part de tes douleurs, de tes souffrances et de tes joies, autrement dit, en me priant, pas seulement à genoux, mais quand tu es en voiture, quand tu marches, quand tu fais la vaisselle, à manger, du shopping, peu importe, exprime-moi ce qu'il y a au fond de toi. Je suis toujours là, les oreilles grandes ouvertes, à écouter ta prière. Nous sommes inaccessibles à Dieu si nous ne lui permettons pas de venir à nous. Si nous ne permettons pas au sacrifice de Jésus de nous être utile, de nous donner force et courage dont nous avons besoin afin d'avancer. Et par-dessus tout, de nous donner la paix. Tous les événements qui arrivent produisent une sensation de terreur, de frayeur, de perturbation dans notre tête. Et nous avons énormément de mal à avoir la véritable paix. C'est ce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce qui te donne la paix, Jésus,
a déjà versé son sang pour cela. Il a déjà tout fait pour que tes meurtrissures soient guéries. Aujourd'hui, fais le choix, prends la décision de, oui, confronter ta douleur, confronter ta souffrance, en sachant que tu ne seras jamais seul. Face à ta famille, face aux professionnels qui vont t'aider, à l'entourage, le pasteur et autres, Jésus sera là, du lever au coucher du soleil, quand tu prendras sommeil et quand tu te réveilleras. Mais il a besoin que tu fasses ta part. Si tu ne fais pas ta part pour extérioriser ce qui te fait du mal, oui, tu auras énormément de mal avec tes cauchemars. Oui, tu auras de la nervosité, de la fatigue et toutes ces perturbations de sommeil et tout ce dont nous avons parlé au début. Parce qu'il est nécessaire que tu l'extériorises. Dieu n'attend que toi pour t'accompagner dans cette démarche. Que nous soyons hommes, femmes, jeunes, plus âgés, mes chers amis, Dieu est présent pour chacun d'entre nous. Il est déjà là, il ne nous demande qu'une chose, lui permettre d'agir dans notre vie. Mais pour cela, nous avons un pas à faire. Ouvre-toi, extériorise-toi, va trouver l'aide que Dieu a déjà préparée pour toi. Et tu pourras enfin ressentir cette paix que par ces meurtrissures, il te donne et par lesquelles tu vas enfin pouvoir être guéri. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour toutes tes bénédictions dans notre vie. Aujourd'hui, une fois de plus, tu nous montres comment l'impensable que Jésus a fait nous permet de pouvoir être soulagés, guéris, de pouvoir nous relever et avancer avec toi jusque dans l'éternité. Oui, pour cela, nous avons besoin de faire un pas vers toi et un pas pour extérioriser, pour faire face à ces douleurs. Mais tu nous le répètes, tu nous aimes d'un amour éternel et c'est pour cela que tu nous conserves à jamais ta bonté. Seigneur, aide-nous à prendre cette promesse, à la graver dans nos cœurs, afin qu'elle nous permette d'avancer sur cette voie sur laquelle tu ne nous abandonneras jamais parce que tu l'as déjà préparée afin que nous soyons guéris. Que ta paix et ta grâce, une fois de plus, soient avec nous. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Chers amis, n'oublions pas, je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve ma bonté. Jésus a fait l'impensable. À nous de faire le premier pas vers lui et d'être accessible. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Le grand défilé ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 98, le verset 1. « Chantez à l'Éternel ». As-tu vu l'âne?
Jésus s'apprête à monter sur l'âne. Tous les deux feront partie d'un grand défilé. Les garçons et les filles veulent voir Jésus, les adultes aussi. Regardez, c'est Jésus là-bas, crient les enfants. Tous veulent voir Jésus. Il avance lentement, il se tient tout droit assis sur l'âne comme le ferait un roi. Il pourrait être notre roi, chuchotent les adultes. La foule est dans la joie. Hourra pour le roi Jésus! Hosanna, fils de David! Hosanna, la foule crie. Les enfants saluent de la main Jésus avec beaucoup d'énergie. Et le petit âne marche, clip, clop, clip, clop. Les gens enlèvent leur manteau et couvrent le chemin. Clip, clop, clip, clop. L'âne marche sur les manteaux. Quel défilé! Un spectacle plein de couleurs et de bruit. Vois-tu les feuilles de palmier? Les enfants agitent les feuilles de palmier. Tout le monde agite les feuilles de palmier pour acclamer Jésus. Hosanna, crie-t-il, Hosanna à notre roi. Le défilé approche. Clip, clop, clip, clop. Jésus est notre roi et nous aussi nous pouvons agiter des feuilles de palmier. Nous pouvons aussi chanter des louanges à Jésus. Hosanna, ô fils de David, Hosanna, ô roi des rois, Hosanna, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais regarde, des hommes sont fâchés. Comptons-les. 1, 2, 3. Trois hommes très énervés, ils n'aiment pas ce qu'ils entendent. « Faites taire les enfants !» dirent-ils. Mais le défilé continue, et Jésus dit « Laissez les enfants tranquilles !» Clip, clop, clip, clop, l'âne continue à avancer. « Hourra pour Jésus ! Hourra pour Jésus !» crie la foule. Jésus regarde la grande ville devant lui. « Ô Jérusalem ! Jésus aime ton peuple. Il aime tous tes enfants, mais vous ne l'aimez pas. » Alors Jésus pleure. Jésus est triste. Ne pleure pas, Jésus. Nous t'aimons. Jésus sourit. Clip, clop, clip, clop. Le défilé continue à avancer. Et l'âne aussi. Les enfants continuent à crier « Hosanna » en agitant énergiquement les feuilles de palmier. Quel défilé extraordinaire! Jésus aime lorsqu'on lui chante des louanges. Et nous pouvons le louer à l'école du sabbat, à l'église et à la maison. Alors, louons-le! Loue Dieu, toi cher petit enfant, Dieu t'aime, loue Dieu, toi cher petit enfant, Dieu t'aime, il t'aime. Prions, tendre Père Céleste, c'est si bon de louer ton nom. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons toujours te louer. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi, Jésus aime t'entendre, lui chanter des louanges. À bientôt. Bonjour les enfants, ici c'est Lorena et je viens vous raconter une histoire très belle qui s'appelle Un souper spécial. Notre verset mémorisé dit « Il les aime jusqu'au bout » et il se trouve dans Jean 13, 1. Aujourd'hui, nous louons Jésus pour la démonstration de son amour. Qui te rappelle de te laver les mains avant de manger? Tu sais, il y a longtemps, Jésus s'est occupé de laver quelque chose. Est-ce que c'était les mains de ses amis? Non, c'était pas leurs mains qui l'inquiétaient. Jésus dit doucement à Pierre, « Va avec Jean à ville, cherchez un homme qui porte une jarre d'eau et demandez-lui à quel endroit nous pourrons prendre le repas de Pâques ce soir.
Pierre et Jean trouvèrent l'homme que Jésus avait décrit. Il leur montra une chambre haute où tout était prêt. Il y avait même une grande jarre d'eau, un bassin et un linge pour le lavement des pieds. Mais il manquait quelque chose. Un serviteur était habituellement présent pour laver les pieds de chacun avant de ce repas particulier. Mais il n'y avait pas de serviteur cette fois-ci. Tous les disciples étaient pourtant impatients. Ils voulaient se faire laver les pieds. Tu sais, les routes poussiéreuses et le temps chaud les avaient rendus bien fatigués. Bientôt, ils arrivèrent à cette chambre haute avec Jésus et s'assirent à table. Pierre décida qu'il ne dirait rien au sujet du serviteur absent. Et le reste des amis de Jésus n'en parlèrent pas non plus. Personne ne voulait faire le travail d'un serviteur. Alors, Jésus se leva. Sans dire un seul mot, il enleva son manteau. Il s'entoura d'un linge et commença à verser de l'eau dans le bassin. Puis, il se mit à laver les pieds de ses amis. Il passa doucement ainsi de l'un à l'autre. La plupart des disciples étaient embarrassés. Ils gardaient silence. Ils savaient que Jésus était le Fils des dieux. Ils savaient que c'était eux qui auraient dû laver les pieds de Jésus. Mais personne ne se leva pour apporter de l'aide. Lorsque Jésus eut terminé, il s'assit. « Comprenez-vous pourquoi je vous ai lavé les pieds ? » demanda-t-il doucement. « Je suis votre maître, je suis votre seigneur. Je vous donne un exemple pour vous montrer comment je désire que vous traitiez les autres. Servez les autres, aidez les gens, faites comme moi. » Jésus leur sourit tandis qu'il faisait « oui » de la tête. Les disciples avaient compris et ils se rappelleraient toujours de cette leçon. Puis Jésus prit le pain, le rompit en petits morceaux et le distribua aux disciples. Il prit aussi du jus de raisin et le passa à chacun. Il leur expliqua que le pain représentait son corps et le jus de raisin son sang. « Prenez et mangez, dit-il. Et faites ceci en mémoire de moi. Aujourd'hui, lorsque des gens se lavent les pieds les uns les autres et mangent le pain et boivent le jus de raisin à l'église, c'est pour se rappeler la vie désintéressée de Jésus, ainsi que sa mort sur la croix. Jésus voulait que ses disciples traitent les autres avec amour comme lui il le faisait. Jésus désire que nous traitions aussi les autres avec amour. Salut les enfants, c'est Lorena ici. Aujourd'hui, je vous raconterai une histoire qui s'appelle « Morte ou vivante ». Nous allons voir de quoi il s'agit. En tout cas, notre texte mémorisé nous dit comme ça « Je suis la résurrection et la vie ». Et il se trouve dans Jean 11, 25. Aujourd'hui, nous nous rappelons que nous adorons un Dieu qui donne la vie éternelle. Dis-moi, as-tu déjà été très malade? Tellement malade que tu ne pouvais plus manger? Tellement malade que tu avais mal partout? Si malade que tu n'avais plus la force de te lever du lit? Nous allons raconter l'histoire d'une petite fille qui a fait une expérience de ce genre. La fille de Jairus avait 12 ans et elle était malade depuis quelque temps. Ses parents avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider leur fille à guérir, mais la maladie ne faisait que s'aggraver. Les bons parents aiment leurs enfants et font tout ce qui est en leur pouvoir pour les guérir. Imagine donc combien Jairus était triste de voir son seul enfant, sa fille, être si malade. Il ne voulait pas quitter le pied de son lit. Désespéré, il a envoyé chercher tous les médecins possibles et les mamans qui connaissaient des remèdes pour les maladies infantiles. Mais personne ne pouvait rien faire pour elle. C'est alors que Jairus pensa à Jésus, le maître des Galilées. Tout le monde parlait de ses miracles. C'était le dernier espoir de Jairus. Après avoir murmuré un dernier mot d'affection à sa fille,
Jairus quitta sa maison et courut aussi vite que possible à la maison de Matthieu. Il savait qu'il y trouverait Jésus. Quand le serviteur ouvrit la porte, Jairus entra un coup de vent. Puis, s'inclinant devant Jésus, il lui dit « Ma fille unique est gravement malade. J'ai besoin que tu viennes chez moi et que tu poses tes mains sur elle. Alors elle guérira. » La foi de Jairus plut à Jésus. Il suivit immédiatement Jairus. Cependant, une grande foule attendait Jésus devant la porte de Matthieu. Tous voulaient voir Jésus, être tout près de lui. Il s'est poussé, s'est bousculé les uns les autres. Parfois, il bousculait même Jésus. Mais soudain, Jésus s'arrêta. « Qui m'a touché ? » demanda-t-il. « Avec tout ce monde qui t'entoure, tu demandes qui t'a touché ?» dit Pierre. Il ne pouvait pas croire que Jésus avait posé une telle question. Jésus continua à regarder autour de lui. Finalement, une femme s'avança. « Je suis celle qui t'a touché, » dit-elle en pleurant doucement. « J'étais malade depuis très longtemps. J'ai dépensé tout mon argent en essayant de me soigner. Je pensais que si je pouvais seulement te toucher, je serais guérie. » Jésus était content de voir une aussi grande foi chez cette femme. Il ne pouvait pas simplement s'éloigner d'elle. « Sois heureuse, » dit-il. « Tu es guérie parce que tu as eu foi en moi. Va en paix. » Avant que Jésus et Jairus se soient remis en marche, un de ses serviteurs se fraya un chemin dans la foule. « N'importune plus le maître, » dit-il à Jairus. « Ta fille est morte. » Combien le cœur de ce père qui aimait tant sa petite fille devait être lourd de chagrin. Mais Jésus se tourna vers lui et lui dit « Ne crains pas, garde simplement la foi. » Jésus ordonna à Pierre, Jacques et Jean de le suivre. Maintenant, il se hâta vers la maison de ses pauvres pères. La maison de Jairus était pleine du monde qui criait et se lamentait. Certaines personnes ne connaissaient même pas Jairus, mais elles montraient leur sympathie en se lamentant ensemble. « Renvoie-les, » dit Jésus à Jairus. « Ta fille n'est pas morte, elle dort. » Tout le monde rit en entendant ça. Ils savaient bien reconnaître quand une personne était morte. Mais ignorant leur manque de foi, Jésus prit ses trois disciples avec Jairus et sa femme et entra dans la chambre où reposait la petite fille. Là, Jésus s'approcha du lit, prit la main de la fillette et ordonna « Jeune fille, lève-toi !» La petite fille ouvrit les yeux, sourit à Jésus et s'assit. Imagine l'immense sourire qu'elle eut quand elle vit les yeux souriants de Jésus. « Donne-lui quelque chose à manger, » dit Jésus à ses parents fous de joie. La fille de Jairus était de nouveau en bonne santé. Non seulement Jésus était heureux de guérir les malades, mais il se réjouissait aussi de leur rendre la vie. « Je suis la résurrection et la vie, » disait-il. Il est venu sur la terre pour nous sauver aussi de la mort et nous donner la vie. Nous adorons un Dieu qui donne la vie éternelle. L'aimes-tu aussi? L'entrée triomphale de Jésus. Essaie d'imaginer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! Ces cris de joie remplissait l'air tandis que la foule couvrait le chemin de manteaux et agitait des branches de palmiers pour accueillir Jésus. Chacun se demandait s'il était le roi qui allait les délivrer de la domination romaine. Jésus et ses disciples avaient fait un long voyage jusqu'à Jérusalem pour assister à la fête de la Pâque. Comme ils s'étaient arrêtés à Bethphagée pour faire une pause, Jésus s'adressa à deux d'entre eux en disant «
Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Heureux de faire ce que Jésus demandait, les disciples amenèrent les ânes et étalèrent leurs manteaux sur l'ânon. Il était de coutume chez les Juifs que le roi monte un âne, car c'était un symbole d'honneur. Et il se souvint, avec la foule rassemblée, des mots du prophète Zacharie. « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Alors que Jésus montait sur l'âne, un cri de triomphe s'éleva de la foule. Le peuple était excité et se joignait à la procession qui se dirigeait vers Jérusalem. Ceux qui n'avaient jamais vu Jésus se demandaient que signifiait toute cette agitation et demandèrent « Qui est celui-ci ?» La foule qui suivait Jésus répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée !» Les prêtres, de retour à Jérusalem, se disaient les uns aux autres. Tout le monde est allé après lui. Craignant que la foule ne déclare Jésus roi, certains d'entre eux vinrent le voir et lui dire « Maître, reprends tes disciples !» Mais Jésus répondit simplement « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront !» Tandis que la foule entrait à Jérusalem, Jésus s'arrêta un instant. Le soleil couchant rendait le temple grandiose, comme rayonnant. Cette vue était magnifique. Les piliers dorés, les murs en marbre blanc, les délicats ornements capturant les rayons du soleil, brillant de la gloire du ciel. Pendant que le peuple regardait la scène, Jésus se mit à pleurer. Non, pas des larmes de joie ou d'émotion face à ce spectacle magnifique. Il pleurait parce que dans toute sa splendeur, Jérusalem, sa ville bien-aimée, allait rejeter le salut. Si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, se lamenta-t-il. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » La foule, troublée, regardait Jésus. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur roi était aussi triste pendant un moment de si grande joie. Ils ne voyaient pas ce que Jésus voyait. Comme les disciples, ils pensaient que Jésus était venu pour établir un royaume terrestre. Mais Jésus savait qu'il ne pouvait rien voir. Son royaume était constitué de tous les croyants, l'Église. Au lieu d'une structure physique, il dépassait toutes les frontières physiques. Ce royaume est formé de ceux qui croient en Jésus et vivent conformément à ses enseignements. Ils viennent de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Plus tard, les disciples se souviendraient de ce jour et comprendraient ce que Jésus essayait de leur dire. Même cette procession fut conforme à la simplicité et à l'humilité caractérisant la vie terrestre de Jésus. Au lieu d'une démonstration et d'une cérémonie extérieure, le peuple lui offrit une adoration sincère et joyeuse. Au lieu de dons coûteux, ils lui offrirent leurs manteaux et des branches d'olivier comme tapis. Au lieu d'agiter les drapeaux de la royauté, le peuple agitait des branches de palmier, symbole national de la victoire. Ils l'acclamaient avec de sonores et joyeux « Hosanna !» Beaucoup de ceux que Jésus avait guéris et bénis, les aveugles, les sourds, les boiteux, les veuves, les orphelins, les lépreux et même Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts, se trouvaient dans la foule. C'était cela le royaume que Jésus voulait établir. Il accueillait tous les oppressés, les rejetés, les découragés
et leur offrait le repos. C'est cela l'Église, une communauté de croyants qui prennent plaisir à suivre l'exemple et les enseignements de leur Sauveur dans tout ce qu'ils font. C'est cela l'Église, une communauté de foi dont Jésus-Christ est le fondement et la pierre de l'angle. C'est cela l'Église, un mouvement mondial de personnes appelées à suivre les traces de Jésus et à remplir le monde entier de la connaissance de Dieu. En louant Jésus, nous le faisons connaître aux autres. Bienvenue dans cette édition consacrée à la section d'études SMS, Suivre mon Sauveur, un moment dédié à notre jeunesse. Nous vous souhaitons donc une bonne étude. Bonjour cher ami, le titre d'aujourd'hui, Résister à la pression du groupe, qu'est-ce qui sent si mauvais? Le psaume 1er, verset 1er nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » La pression sociale existe à tous les niveaux. À la maternelle comme à l'école, au collège comme au lycée, à l'université comme dans la vie adulte. La pression d'un groupe est définie comme l'influence exercée sur toi par quelqu'un ou plusieurs personnes qui te ressemblent. Vous avez peut-être le même âge, vous fréquentez la même église ou le même établissement scolaire. Lorsque la pression est positive, on découvre de nouvelles compétences et on se sent utile. Mais la pression négative a un effet opposé, manifesté par un affaiblissement du caractère et une diminution de la confiance en soi. Mais tu sais, le plus important pour toi est de prier pour obtenir le discernement. Ainsi, tu pourras reconnaître au sein d'un groupe les pressions négatives et positives. En te laissant guider par l'Esprit Saint, tu feras les bons choix. Souviens-toi qu'une seule décision peut être lourde de conséquences. N'oublie pas que tu fais toujours partie d'un groupe, au collège comme au lycée, en éclaireur, pendant la leçon de l'école du sabbat, parmi tes frères et sœurs, tes cousins-cousines, et tu peux faire la différence. Dieu t'a créé libre de décider. À une situation, il faut choisir l'idéal. I, identifier le problème auquel tu es confronté. D, décrire les actions que tu pourrais entreprendre. E, évaluer ses idées, laquelle est la meilleure. A, agir selon le plan que tu as conçu. L, apprentissage présent sert à ton futur. Il nous est raconté l'histoire de trois jeunes, Josué, Grégory et Sébastien. Trois amis de lycée qui décidèrent de faire une blague afin d'écourter la période scolaire. Si Grégory pensait que ce n'était pas une bonne idée, les autres le persuadèrent du contraire. Ils se rendirent alors à la poissonnerie pour acheter des appâts et des déchets de poissons congelés. Puis, le soir venu, ils allèrent le distribuer dans tout l'établissement, au niveau des casiers, des armoires, des bouches d'aération, etc. Le lendemain, c'était la catastrophe. L'établissement avait une odeur insoutenable. Pendant qu'ils se réjouissaient, Sébastien et ses amis, d'autres essayaient, à l'heure du repas, de manger quand même un peu, malgré l'odeur. Mais à la surprise de tous, soudain, un liquide bizarre commença à dégouliner du plafond avec une odeur désagréable. La directrice était obligée d'écourter la journée de classe et elle envoya tous les élèves chez eux. La nouvelle se répandit rapidement
Et lors d'une émission radio à ce sujet, Sébastien appela et affirma qu'il réalisa cela avec ses amis. Le lendemain matin, la directrice le convoqua et, une fois arrivé dans le bureau de la directrice, il découvre la présence d'un officier de police. Sébastien prit la responsabilité de ses actes. Il refusa de donner le nom de ses amis. Mais ce crime fut inscrit sur son casier judiciaire et il eut des heures de travaux d'intérêt général à réaliser. Quel dommage! Il aurait pu faire le bon choix, résister et choisir la bonne voie. Toi, qu'aurais-tu choisi de faire? Maintenant, à toi de décider. À bientôt! La pandémie qui sévit aujourd'hui a bousculé nos priorités. La femme aujourd'hui peut-elle réaliser ses projets de vie, ses objectifs? Avec cette pandémie qui nous est arrivée, hein, le Covid-19, oui. Est-ce qu'en tant que femme, il a été difficile ou il est difficile, vous pensez, de réaliser ses objectifs, que ce soit professionnel ou personnel? Non, je ne pense pas. Hein. C'est vrai qu'on est, on est limité dans tout ce qu'on fait en ce moment par rapport à la situation. Mais bon, si on reste consensueux dans nos objectifs, non, je ne trouve pas. Je ne pense pas. Le Covid-19, effectivement, a gêné beaucoup beaucoup gêné les projets des gens, dans la mesure où c'était quand même une pandémie et donc on a eu une grosse crise économique. Ce n'est pas spécialement évident de démarrer un projet aujourd'hui, mais je pense que si on veut rebondir, il faudrait peut-être prendre cette période où il y a effectivement un frein économique aujourd'hui à la Martinique, peut-être pour pouvoir se former, peut-être pour pouvoir mettre ce temps à profit autrement, pour pouvoir repenser l'économie de demain, repenser les projets de demain et pour pouvoir aller plus loin. Vous avez eu l'occasion de réaliser un challenge pendant cette période ou Non, pas du tout. C'est que je suis en pleine formation justement et je fais une prépa en soins infirmiers et non, ça ne me gêne rien du tout pour le moment. Si on veut rebondir, il faudrait peut-être prendre cette période où il y a effectivement un frein économique aujourd'hui à la Martinique, peut-être pour pouvoir se former, peut-être pour pouvoir mettre ce temps à profit autrement, pour pouvoir repenser l'économie de demain, repenser les projets de demain et pour pouvoir aller plus loin. En tant que femme, je ne pourrais pas dire que effectivement la pandémie a freiné les projets des femmes, les projets féminins, mais je pense qu'en tant qu'acteur économique, oui, on peut parler de freins, effectivement, qui peut être repensé pour demain. Je pense qu'effectivement, c'est déjà pas évident, parce que quand on est une femme, ben, effectivement, c'est un peu discriminatoire, hein, parfois, mais je trouve que oui, c'est compliqué. C'est assez difficile, donc il faut s'accrocher et on n'a pas le choix que voilà, d'être courageux. Il y a de superbes femmes qui nous montrent l'exemple. Alors, continuons à y croire pour aussi réduire au mieux les inégalités qu'on a encore aujourd'hui entre hommes et femmes. Ludivine est conférencière et auteure de plusieurs livres à succès et en particulier créatrice de la méthode de management 5, 4, 3, 2, 1. Ses conférences portent sur des thématiques liées à la stratégie, à la réussite de projets et au leadership. Le séminaire d'aujourd'hui portera sur les effets de notre système de croyances sur notre état naturel de leader. Bonjour. Le thème de notre réflexion spirituelle aujourd'hui, qui nous est proposé par le département du ministère des Femmes de l'Union des Antilles Guyane et Française, que je remercie d'ailleurs pour l'invitation, est le suivant. Dieu me pousse vers l'excellence. Dieu me pousse vers l'excellence. Qu'est-ce que l'excellence? Selon vous, qu'est-ce que l'excellence? Je vous invite à prendre quelques secondes pour répondre à cette première question. Qu'est-ce que, selon vous, l'excellence? Eh bien, de mon expérience,
L'excellence est une invitation à découvrir, à goûter, à expérimenter ce qu'il y a de meilleur et à donner en retour ce que l'on a de meilleur. Mais comment ? Sachant que nos actions démarrent de notre système de pensée, « je pense, donc je suis », la question que l'on peut alors se poser est « est-ce que aujourd'hui, mon système de pensée me conduit vers l'excellence ?» Être poussé vers l'excellence, c'est être emmené à découvrir, au travers de l'usage actif de ses dons, talents, compétences, innées ou acquises, ce que l'on ne sait pas, que l'on ne sait pas. Sur soi-même, sur notre source infinie, sur la loi de l'amour. Donc l'excellence serait le fruit d'une expérience active continue. Et cela me rappelle l'invitation de Pierre. Si vous avez votre Bible, je vous invite à ouvrir le livre de 2 Pierre 1, versets 3 à 8. Quand il nous rappelle de nous efforcer à donner le meilleur de nous-mêmes. 2 Pierre 1, versets 3 à 8. Avez-vous vraiment déployé tous vos efforts pour booster votre foi, votre force morale, développer la connaissance, la maîtrise de soi, l'humilité, l'affection fraternelle et au final, l'amour? Poussez vers l'excellence. Poussez vers l'excellence, y croyez-vous vraiment ou encore? Si vous y croyez, quel plan avez-vous alors mis en place? Et si vous avez mis en place un plan, que démontrent alors vos résultats? Je reprends ces trois questions. Si vous croyez vraiment à l'atteinte de l'excellence, quel plan avez-vous mis en place et que démontrent aujourd'hui vos résultats? L'excellence n'arrive certainement pas en se laissant porter par les circonstances de gré en gré, sans une intention et un plan d'action. Alors comment parvenir à cette excellence, puisque tout part de notre système de pensée? Voilà quelques éléments de préparation. Le premier point est d'avoir une juste connaissance de soi et de son environnement. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis appelée à faire? Dans quel environnement j'évolue vraiment? Ai-je les yeux bien ouverts? Le deuxième point à prendre en compte est la clarification de son intention et cela à trois niveaux. Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Qu'est-ce que je dois développer? Qu'est-ce que j'espère développer? Qu'est-ce que je veux faire au quotidien? Et puis, quelle est mon intention au niveau de la société? Comment je veux faire bouger les choses? Troisième point à prendre en compte est le désir de manifester un vif intérêt pour les personnes avec lesquelles vous interagissez. Est-ce que je connais ces personnes? À quoi elles aspirent? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Autre point à prendre en compte, c'est le désir brûlant d'y parvenir coûte que coûte. Y parvenir coûte que coûte. Voilà, vous comprenez ici que tout part de la clarification de votre intention, selon la mission singulière que la source infinie vous a confiée. Encore faut-il prendre le temps de l'identifier. Notre temps doit être déterminé par nos objectifs. Nul n'est sur terre inutilement. Et vous savez, nous sommes appelés à être des leaders, chacun dans son domaine. Nous sommes appelés à être des leaders, chacun dans son domaine. D'accord ou pas d'accord? Quand je pose cette question, quand j'émets ce constat au début de mes conférences, qu'il s'agisse du milieu communautaire dans lequel nous sommes aujourd'hui, ou encore à l'extérieur, la majeure partie des personnes me disent « mais non, mais c'est pas possible, on n'est pas tous leaders, ce n'est pas possible ». 85% des personnes répondent « ce n'est pas possible ». Les 15% restants répondent « oui, c'est possible ». Mais comprenons ce qu'est le leader, ce dont on parle quand on parle de leadership. Le leadership, c'est la capacité d'un individu à influencer, guider, inspirer, fédérer un groupe de personnes
ou une organisation vers un objectif commun. Et quand je parle d'un groupe de personnes, dans cette définition, il ne s'agit pas d'une foule. Un groupe, c'est déjà deux ou trois personnes réunies. N'avez-vous pas ou n'exercez-vous pas une influence dans votre environnement proche? À ce moment, n'exercez-vous pas déjà votre leadership? Ne confondons pas les fonctions de manager et de leadership. Un manager est une personne qui vous est imposée, malheureusement. Parfois, on ne tombe pas sur les bons. Dans un domaine, dans un contexte posé. Alors qu'un leader, c'est une personne que vous avez décidé de suivre parce que dans sa façon de voir le monde, dans sa façon de penser, elle vous a inspiré. Elle vous a fait sortir de votre zone de confort. Elle a impulsé un mouvement chez vous. Donc les leaders, ce sont des personnes motivées par une passion, générées par une vision ou une conviction dans le but d'atteindre une cause spécifique. Et ils contribuent à rendre meilleure la vie des individus, qu'il s'agisse d'un groupe, voire de milliers ou de millions de personnes. Donc ça n'a aucun rapport avec l'éloquence, les compétences. Il s'agit bien d'une vision traduite en une série d'actions. Et vous embarquez vers votre mission personnelle lorsque vous activez votre pouvoir de l'individualité. Nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Alors nous avons la capacité de penser et d'agir par et pour nous-mêmes, et surtout pour l'utilité commune. C'est tout l'objectif de la réflexion que nous avons en ce moment. Recréer notre système de pensée sur notre état naturel de leader et tendre vers cette excellence. En étudiant le livre de Luc, puisque j'y suis parvenue en me posant un certain nombre de questions, moi-même, dans mes fonctions, avec toutes les casquettes que je porte, il y a une introduction qui a certainement été faite, mais je suis à la fois auteur, oui, conférencière, business coach, stratégiste, et puis j'interviens comme mentor dans des réseaux féminins au niveau de l'entrepreneuriat, j'ai plusieurs casquettes. Je me suis dit au bout d'un moment, mais Seigneur, je veux bien répondre à ma mission, mais comment la faire en excellence? Il y a trop de choses à faire en même temps. Et il m'a invité à analyser, à éplucher le comportement des leaders, et en particulier celui de Jésus, au travers du livre de Luc. Et de cette étude, où j'ai vraiment épluché ses réactions, son organisation, son influence et sa ténacité pour ne rien lâcher, ou encore sa façon ou ses moyens de gérer quotidiennement son énergie, qui l'ont emmené vers l'excellence dans sa mission, sur sa mission, eh bien, j'ai noté 10 attitudes que nous allons parcourir maintenant à cultiver pour croire et agir en leader et tendre vers cette excellence. L'attitude numéro 1 est la suivante. Le leader est connecté à la source infinie. Quand je parle ici de connexion, je ne dis pas uniquement le leader prie et donc s'adresse à la source infinie. Je dis bien connecté. Connecté parce que nous devons comprendre que nous sommes des êtres spirituels. Le fait de comprendre que nous sommes des êtres spirituels, régis chacun dans une mission particulière, chapeautée par l'amour, eh bien, nous comprenons davantage l'importance d'exploiter la puissance de cette relation. Et d'expérience en expérience, augmenter notre capacité à croire. Connecter, conscient de sa mission, avec un plan d'action, conscient de la loi de l'amour. Ici, il s'agit vraiment de comprendre la relation et l'interaction de la femme en particulier, mais aussi de l'homme, avec Dieu, et de chercher à la développer. Les textes qui relatent la vie de Jésus dans le livre de Luc, dans les chapitres de Luc, eh bien soulignent à plusieurs reprises qu'il se retirait, se mettait à l'écart. L'étude de sa vie, l'analyse de son parcours, ses actions, ses relations, son organisation, tout montre clairement que sa force de caractère pour s'accrocher et sa solide personnalité était le résultat de cette constante connexion. Attitude numéro 2, le leader déclare avec assurance. Choisissez votre propre direction. Et là, je parle aux femmes particulièrement. Vous n'êtes pas uniquement femme appelée à être épouse ou mère. Qu'êtes-vous au-delà de cela? Que pouvez-vous apporter au-delà de ces fonctions importante également. Comprenons que, ici, votre bouche est votre pouvoir de déclaration. Déclarez avec assurance ce que vous espérez voir se manifester maintenant et pas dans 5 ans ou dans 10 ans. J'ai entendu beaucoup trop de femmes dire « Quand mes enfants grandiront, alors je passerai à l'action sur tel ou tel projet que je sens que je suis appelée à faire. » Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas aujourd'hui? L'attitude prime sur les mots.
l'attitude prime sur les mots. Osez demander plus, osez déclarer ce que vous espérez voir. Et alors, pendant ce cheminement, veillez à vos paroles et à vos doutes et aux comportements négligents ou attitudes négatives qui peuvent affaiblir les déclarations que vous avez faites. Prenons un simple exemple qui peut sembler insignifiant, le retard de paiement de vos factures. Eh bien, ce manque d'attention peut affecter vos droits au crédit privé ou professionnel. Et comme cela, vous pouvez manquer une opportunité d'acquérir un bien, par exemple, et cela vous limite dans la croissance de votre mission. Un autre exemple encore, la ponctualité. J'ai dû faire des efforts moi-même là-dessus. Si vous n'êtes jamais ponctuel et que vous êtes en retard à vos rendez-vous, eh bien, vous renvoyez une image d'une personne peu fiable, peu sérieuse, alors que pourtant, vous avez certainement des compétences. Attitude numéro 3, le leader agit au présent. Comprenons et comprenez que votre seul pouvoir s'exerce aujourd'hui. Pas hier, c'est trop tard, pas demain parce que nous ne maîtrisons pas notre souffle de vie, mais bien aujourd'hui. Nous avons vraiment une invitation à aller vers l'excellence en embrassant les possibilités et les opportunités qui viennent maintenant. Toujours conscient que nous agissons pas uniquement que pour nous, mais pour l'utilité commune, dans l'amour les uns des autres. Alors, en agissant dans le présent, donc aujourd'hui, en passant à l'action immédiatement, le comment n'est plus de votre ressort. Votre seul rôle est de devoir accepter l'opportunité, tout simplement, et d'embarquer dans le présent. Par contre, passer à l'action requiert d'avoir une vision et un plan d'action. Mais il est essentiel que vous compreniez qu'il n'y a pas de limite, parce que le comment est de la responsabilité de notre source infinie. Donc les limites n'existent finalement que dans notre esprit. Plus nous mettrons notre cœur à obéir aux suggestions de l'esprit, plus nous serons aptes à recevoir sa puissance et à accomplir un réel travail qui apporte de la valeur. Attitude numéro 4, le leader ne s'inquiète pas de sa réputation. Autrement dit, ne faites pas uniquement ce qui fera plaisir, faites surtout ce qui sera utile. Dépassez la gêne, affirmez votre caractère. N'attendez pas d'avoir l'approbation des personnes qui vous tiennent à cœur. Je vais prendre un simple exemple. Nous, quand nous avons décidé de passer de l'idée à l'action, de sauter le cap en devenant digital nomade, en vendant tout ce que nous avions dans notre appartement, remettons nos clés, notre voiture, et pas n'importe laquelle. Hein. Je précise ici, non pas pour le côté matérialiste, mais c'est vraiment pour le côté détachement. Se laisser de côté une X5, BMX 5, c'est quand même du confort. Eh bien, et puis surtout déscolariser nos filles et sortir de l'école pour faire école à distance, les gens nous disaient « mais vous êtes sûr de ce que vous faites? Vous êtes sur une pente croissante ici en Belgique et vous claquez tout pour aller vers l'Asie, mais vous risquez quand même de perdre les opportunités que vous avez déjà ici. » Mais ne vous inquiétez pas de votre réputation et sur l'attitude numéro 5 que nous verrons tout à l'heure, ni du lendemain. Notre seule invitation maintenant est d'affirmer ce que nous savons que nous devons faire. Et l'exemple de Jésus dans ses relations interpersonnelles le montre également. Il n'a pas cherché à s'élever en fréquentant uniquement des personnes de haut rang. Il a fréquenté des personnes de tout niveau qu'on peut avoir dans notre société. Et sa renommée s'est faite toute seule. C'est vraiment en donnant du sens à la vie des personnes qui vous entourent, dans ce que vous apportez, que les gens vous suivront, tout naturellement et simplement. La réputation n'est rien d'autre que ce que les autres pensent de vous, alors que le caractère, à l'inverse, c'est la réalité qui vous concerne. Attitude numéro 5, dont que j'ai abordée aussi ici, c'est le fait de ne pas s'inquiéter du lendemain. Croyez que vous ne manquerez de rien. Oubliez le plan B. Et j'aime bien cette invitation dans le livre de Luc aussi, hein, que Jésus fait aux disciples quand il leur dit « Ne prenez avec vous ni bâton, ni sac, ni deux tuniques. » Autrement dit ici, il les invite vraiment dans l'expérience. Et c'est surprenant, non? On dirait presque une expérience
Koh-Lanta, mais en version spiritualité. Et nous, c'est exactement ce que nous vivons depuis bientôt 2 ans. Nous vivons avec une valise prête à partir par rapport à notre mission. On est bercé dans le digital, dans tout ce qui est nouvelles technologies. Là où ben, les informations qu'on pourra développer, les formations qu'on pourra avoir, nous permettront d'être plus efficaces et de faire bouger les choses. Tout simplement. Par rapport à votre appel unique, ne craignez pas le lendemain. Et ne faites pas non plus 2 plans. Le fait de raisonner sur 2 plans, plan B, plan A, eh bien, invite votre cerveau à avoir 2 types d'actions. Et le fait d'être sur deux types d'actions, pardon, eh bien, emmène des résultats qui sont tout aussi pas qualitatifs, puisque vous ne serez pas concentré sur un résultat spécifique. Attitude numéro 6, le leader s'entoure d'une équipe. Comprenez que l'autosuffisance tue. Développez l'interdépendance, l'esprit d'interdépendance. Et j'aime bien ce que disait un savant. Si vous voyez et vous pensez que vous êtes trop petit par rapport à votre mission, eh bien, pensez à cette expérience avec un moustique. Si vous essayez de dormir avec un moustique, regardez lequel des deux empêchera l'autre de dormir. Autrement dit, même un petit moustique peut vous faire bouger. À combien plus forte raison vous pouvez faire bouger les autres aussi dans votre domaine d'action ? Attitude numéro 7, le leader encourage avec vérité. Bien sûr, il s'est équipé, entouré d'une équipe, mais il encourage également avec vérité. Pourquoi ? Parce que la vérité libère. Lorsque vous apportez une information à une personne dont elle n'avait même pas conscience sur sa façon d'être, de se comporter ou même de réagir, eh bien, vous l'invitez à entrer dans la réalité plutôt que de rester dans ce qui n'est pas, en fait, finalement, concret et réel pour lui permettre d'exercer sa mission au mieux. Et de même que vous direz la vérité à qui doit l'entendre, acceptez humblement le feedback qu'on vous donnera sur votre façon d'agir. L'excellence arrive quand on a la bonne information sur soi, dans un contexte donné. Jésus osait dire la vérité à qui devait l'entendre. Attitude numéro 8, le leader crée des leaders. Ne craignez pas d'être copié. Décidez moins, impliquez plus. Autrement dit, tout comme l'a fait Jésus, lorsque ses disciples lui ont dit « Il y a 5000 personnes avec vous, comment on va les nourrir ?» Autrement dit, femme, tout ne repose pas que sur vous, homme également. Éveillez les leaders endormis qui sont autour de vous. Eh bien, face à ses disciples, aux membres de son équipe, si on devait parler de façon contemporaine, Jésus les a tous simplement invités de façon ferme et sans reproche, assez déconcertante d'ailleurs, à prendre action. Il leur a dit « Ok, il y a 5000 personnes qui nous suivent, la situation semble critique, donnez-leur à manger vous-même. » Et il saisissait souvent ces opportunités pour les faire réfléchir, les faire réagir, et les inviter à trouver eux-mêmes d'abord une solution avant de leur porter la solution. Attitude numéro 9, le leader prend soin de son capital. On le dit souvent, on le répète, comme le dit David dans ses psaumes, notre œil est la lampe de notre corps. Mais alors, faisons attention aux data, aux données que nous allons stocker dans la capitale de notre corps qui est notre esprit. Attention aux conversations, aux images, aux vidéos, aux textes qui viendront nous communiquer l'énergie vitale dont nous avons besoin, dont notre esprit, notre âme et notre corps ont besoin pour mener à bien notre mission vers l'excellence. Enfin, dernière attitude, l'attitude numéro 10, le leader manifeste sa gratitude. Sortez de l'illusion du contrôle, intégrez vraiment le principe spirituel de la gratitude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Chacune de vos expériences, chacun de vos résultats que vous obtenez suite à une action porte des enseignements que vous seul pouvez entrevoir et comprendre. Quelle que soit l'issue, positive comme vous l'espériez ou moins sympathique, je dirais pas vraiment négative mais moins sympathique, à laquelle vous ne vous y attendez pas, vous ne vous attendiez pas, eh bien, restez dans la gratitude. C'est vraiment votre état d'esprit, la manière dont vous allez accueillir vos résultats qui vous permettront de les transformer et de les rendre encore plus bénéfiques. Et c'est d'ailleurs souvent à partir de grandes frustrations que certains ont commencé à rechercher l'excellence. Enfin, pour conclure,
en étant invité à cette excellence, êtes-vous prêt vraiment à transmettre ce que vous avez de meilleur? Êtes-vous prêt à être de généreux propriétaires dans vos dons, talents, compétences acquises ou innées? Êtes-vous prêt à manifester la loi de l'amour? Notre société en pleine mutation a besoin de femmes. Et j'insiste sur les femmes, puisque c'est la thématique de la journée, mais aussi d'hommes prêts à affronter le champ des possibles, prêts à manifester la loi de l'amour, donner ce que l'on a de meilleur. Mais pour cela, il faut l'expérimenter. Il faut de l'expérience. Il faut avoir des choses à partager. Et c'est tout l'intérêt du parcours vers cette excellence. J'espère sincèrement qu'à cette réflexion, vous cernerez vous aussi l'urgence de votre mission individuelle. Et aurez-vous aussi envie de cultiver les attitudes qui permettent de croire, agir en leader et de goûter à cette excellence? Et je vous laisserai avec l'exhortation de Pierre que nous avons vue au début de cette réflexion spirituelle, poussée vers l'excellence, de Pierre 1, versets 5 à 8. Efforcez-vous de confirmer l'appel que vous avez reçu pour cette même raison. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, la piété, l'humilité, l'affection fraternelle, et bien sûr, l'amour. Parce que toutes ces qualités, quand elles seront en vous, elles ne vous laisseront pas indifférentes. Elles ne vous laisseront pas sans activité, sans fruit, pour la connaissance de notre source infinie. Je vous souhaite de goûter, d'expérimenter ce qu'il y a de meilleur et de partager ce que vous avez de meilleur à donner. À très bientôt. Dieu est notre défenseur. Il est important d'aller vers lui. Donc, nous allons prier pour nous remettre à ce Dieu. Éternel, notre Père, notre Dieu, tes enfants réunis devant ta face te louent, te bénissent et te glorifient. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui règne, qui domine, le Dieu qui a notre destinée en main, le Dieu qui nous invite à nous confier en lui, celui qui prend soin, celui qui sauve et qui délivre. Éternel, tes enfants devant toi sont venus pour te demander de renouveler leur engagement envers toi, de les accepter en Jésus, de les couvrir de ton manteau de justice. Et alors qu'elles se remettent à toi, corps, âme et esprit, pour continuer à te servir, donne-leur la capacité de rester en connexion verticale, de rester les yeux fixés au ciel, et que tu leur donnes d'avoir deux pieds sur terre, deux pieds chaussés du zèle de l'Évangile, pour aller, pour dire, pour faire, pour annoncer, pour partager. Donne-leur la capacité d'écoute de l'autre, la capacité d'être au service de l'autre, intégrant ainsi la grande loi du ciel. Bénis-les et tout ce qui leur est nécessaire pour leur croissance, leur épanouissement et un service excellent, veille-le leur donner par l'Esprit Saint. Nous te remercions et nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ton cœur y sera aussi, ton cœur est près de tous.
ce qui t'est cher. Écoute-moi pour un instant. Garde les yeux bien fixés sur le vrai trésor qui est là-haut dans les cieux. Oh, oh, y a un trésor à la fin de ce long chemin devant toi. Il te donne une raison pour laquelle moi je vis, et il sera ma raison jusqu'à ma mort. Si tu te demandes où tu en es et où tu seras demain, Dieu a laissé un plan pour toi et moi, pour toi et moi. Si tu veux suivre ce plan divin sans jamais t'éloigner, tu ne peux te tromper, mais pense avant d'agir. Il y a un trésor à de ce long chemin devant toi. Il te donne une raison de vivre. Oui, mais mon Dieu est mon trésor, la raison pour laquelle moi je vis, et il sera ma raison jusqu'à ma mort. Il y a un trésor à la fin de ce long chemin devant toi. Il te donne une raison de vivre. Sera ma raison de vie. Notre Père qui es aux cieux, nous accueillons avec reconnaissance l'opportunité qui nous est donnée de nous réunir pour t'adorer. Nous invitons ton Saint-Esprit pour qu'il nous amène une fois de plus à accepter sa grâce. Au nom de Jésus, amen. Thank you.
Voilà, chers enfants et chers ados, pour poursuivre l'histoire de Matthieu. Elle s'intitule aujourd'hui « Le bronze ou les reins, une base solide en Dieu ». Notre ami Matthieu est toujours devant la grande et haute toile blanche tendue par les poteaux de bois d'acacia. Il sait maintenant qu'en pénétrant derrière la toile, il sort d'un monde de misère pour entrer dans le monde de pureté du Père. Il est décidé à y entrer, mais soudain, il s'arrête. Josué, qu'est-ce que c'est cette espèce de boîte au pied des poteaux? Je pensais qu'il serait ancré dans le béton. Qu'est-ce que c'est ce matériau? Dès ici, tu peux voir l'ensemble des matériaux qui constituent la maison du Père. Au pied de chaque poteau, et il y en a 60 en tout, il y a un socle de bronze. On dit aussi de l'airain. Est-ce comme le fer? Non, le bronze est différent du fer, car le fer est fragile et sensible à la corrosion. Cela veut dire qu'il peut se dégrader et se rouiller au contact de l'eau, par exemple. Le bronze est un mélange de deux métaux, le cuivre et l'étain. Il est assez facile à travailler et est très résistant. Il ne crée pas la corrosion et peut supporter de très hautes températures. De plus, il est plus léger que le fer. On peut en faire des objets d'art. Waouh! Mon père fait de la chimie? Il fait tout et il maîtrise tout. Vois-tu? En mettant un socle sous chaque poteau, cela donne une même stabilité à l'ensemble de la barrière. Je comprends. Est-ce que cela aussi doit m'enseigner quelque chose sur le père? Eh bien oui, tu as bien compris le fonctionnement de la maison. Te souviens-tu de ce que représentent les poteaux? Oui, ils sont en bois d'acacia, un bois très dur et difficile qui représente notre nature, Dieu est mauvaise. Bravo, Matthieu! Le Père veut associer cette vilaine nature à sa pureté. Mais ceci est possible à une condition, que notre vie soit ancrée dans quelque chose de solide et de résistant qui nous permettra de rester stable. As-tu une idée de ce que cela pourrait être? Pas vraiment. Quelque chose qui ne flanche pas et qui te guide. C'est la parole du Père. Tu peux être assuré que si tu te fies à ce que le Père déclare, tu seras solide et stable. J'aime bien cela parce que parfois, les adultes ne tiennent pas leurs promesses, mais mon Père n'est pas comme cela. Le Père est fidèle et sa parole ne change pas. Et vous, chers enfants et chers ados, pensez-vous également que la parole de Dieu est certaine et fiable, c'est-à-dire qu'on peut lui faire confiance? La Bible nous apprend ceci dans Ésaïe 40, le verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et elle nous dit que Jésus est comme cette parole de Dieu. Si nous désirons être fermes et stables, nous devons résolument être ancrés dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la connaître, l'aimer et la suivre. Voulez-vous être solidement ancré dans la parole de Dieu? Alors, je vous invite à prier, les enfants. Merci Père, parce que tu es fidèle et que ta parole est certaine. Aide-moi à la connaître, l'aimer et la suivre, pour que je sois solide en elle, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous dis à la semaine prochaine, les enfants, pour la suite de notre histoire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
La Bible ne condamne pas un homme riche du fait qu'il soit riche. Elle ne dit pas que l'acquisition des richesses soit un péché, ni que l'argent soit la racine de tous les maux. Au contraire, l'Écriture déclare que c'est Dieu qui donne la possibilité d'acquérir des biens. Et cette faculté représente un talent précieux lorsqu'il est consacré à Dieu et utilisé pour faire progresser sa cause. Cette citation d'Ellen White est à la page 144 du livre « Conseil à l'économe ». Chères sœurs, le privilège m'est donné de vous lire deux passages de la parole de Dieu et ensuite de prier pour vous et prier avec vous. Le premier verset que nous allons lire se trouve dans Esther 7 et le verset 5. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther: qui est-il et qui est celui qui se propose d'agir ainsi? Et l'autre verset, c'est Psaume 43, versets 3 et 4. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers Dieu, j'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu ma joie et mon allégresse. Et je célébrerai sur la harpe, ô Dieu,
mon Dieu. Je vous salue fraternellement. Il est reconnu que la Bible renferme des scènes de violence insoutenables, des guerres, des massacres. Et celui qui ouvre la Bible pour la première fois ressent souvent l'impression pénible que ce texte sacré regorge des textes violents. Il n'en demeure pas moins que l'on trouve de nombreux passages d'humour, de scènes comiques et un certain nombre de retournements de situations impensables, invraisemblables. L'histoire qui nous intéresse en regorge et nécessite quelques réflexions. L'héroïne de notre histoire s'appelle Esther, son vrai nom Hadassa. Et dans son livre qui porte son nom, la Bible nous la présente en disant que c'est une jeune fille orpheline qui a été adoptée par son cousin Mardoché, Esther 2, verset 7. Mais au plus fort de l'histoire, c'est que cette jeune orpheline a permis d'éviter de façon exceptionnelle le massacre de son peuple par une stratégie bien menée, une stratégie de communication extraordinaire. L'analyse de la situation, la définition des objectifs, le public à atteindre et la finalisation du processus, entre autres. Si l'on creuse davantage, on constate que l'histoire est bâtie sur une succession de coïncidences où la présence de Dieu est perceptible. C'est un génie littéraire. Pour ceux qui découvrent l'histoire, je vous invite à en prendre connaissance dans la Bible. Le livre d'Esther est situé deux livres avant le livre des Psaumes. Ce livre historique pourrait se résumer ainsi. Il était une fois dans un royaume de 127 provinces, ayant pour capitale Suse, un roi, Xerxès Ier, inconstant, irréfléchi, destitue sa reine qui refuse de lui plaire, et comme ça va se savoir dans le royaume, il la remplace pour une jeune Esther, juive, orpheline, belle. Et la version Tob nous dit « La jeune fille avait un corps splendide et elle était belle à regarder. » Elle a été adoptée par son cousin Mardoché, juif aussi. Mardoché est devenu l'ennemi du ministre du roi Aman, qui le détestait tellement qu'il a obtenu un décret pour que tous les membres de sa race, donc les juifs, périssent en un jour. Un livre passionnant qui projette des questions sur fond politique, sur fond éthique, national et spirituel. Il peut être approfondi, décortiqué, étudié sous plusieurs angles, chacun pouvant faire ressortir des éléments prégnants pour un temps comme le nôtre. Que peut m'apporter l'histoire d'Esther aujourd'hui dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle, en temps de pandémie COVID-19? Pour répondre à cette question, j'ai intitulé mon sermon « Trois personnages et une stratégie ». Une fois n'est pas coutume, nous commencerons par celui qui est désigné par plusieurs comme le plus vilain, Aman. Qui est Aman? C'est le premier ministre, le fondé de pouvoir, le vizir qui a accédé à une fonction importante dans le royaume. Le chapitre 3 nous dit que le roi l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Il a tout pouvoir. Le second du royaume, il use de son pouvoir pour régler les comptes en éliminant tous ceux qui ne se prosternaient pas devant lui. Mais malheureusement, un homme nommé Mardoché ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas parce qu'il était juif. Que vient faire ici cette précision? Car il leur avait dit qu'il était juif. Le chapitre 3, verset 4.
L'histoire d'Aman et de Mardoché remonte au conflit entre Israël et les Amalécites. Leur histoire est rapportée dans 1 Samuel 15, une histoire vieille qui dure depuis l'époque de l'Exode. Saül avait reçu de Dieu l'instruction de détruire les Amalécites. Mais il désobéit. L'incident qui eut lieu entre Saül, Agag et les Amalécites allait finalement expliquer la défaite de Saül et la disparition de sa dynastie. C'est le cœur de l'histoire. Les commentateurs disent que c'est sur cette base que Mardoché refuse de se prosterner devant Aman. Et lui, Aman, c'est pour cela qu'il a élargi son courroux jusqu'à exterminer toute la race juive. On n'est pas loin de ce que le monde vit aujourd'hui et dans toutes les sphères de la société, malheureusement. Aman n'y va pas de main morte. Il cherche à exterminer Mardoché et toute la race juive. Et pour faire court, l'histoire nous dit qu'Aman, en manigançant, il a préparé la potence pour Mardoché, car il avait toutes les pièces nécessaires pour exterminer son ennemi. Mais tel est pris qu'il croyait prendre. De façon providentielle, Mardoché a été épargné et c'est lui qui a été pendu. Quel revirement, quel rebondissement. Haman se laisse prendre à son propre piège. Et une coïncidence que je trouve providentielle, le roi de la nuit repense à Mardoché qu'il a sauvé de complot et qu'il désire récompenser publiquement. Malheureusement, Aman a raté le coche. Et à la question posée, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer, imaginant qu'il s'agissait de lui, il dévoile des idées extravagantes pour honorer l'homme, celui qui est son ennemi. L'arroseur arrosé et décontenancé. De tout temps, il y a eu des amants. Même encore aujourd'hui, on en trouve sous différentes formes, sous différents noms, de diverses manières, sous des masques, mais l'intention est la même, vous détruire. Aujourd'hui, c'est le stress, la peur du lendemain, les problèmes quotidiens, la perte du travail, l'incompréhension, la perte d'un être cher, la culpabilité, la dépression, se sous-estimer. Oui, aujourd'hui, chères femmes, les soucis de la vie occupent toute notre existence et peuvent nous empêcher d'avoir une relation intime avec notre Dieu. Les soubresauts de la vie nous font perdre de la vivacité pour l'œuvre du Seigneur. Parmi les femmes qui ont eu le courage moral de prendre position en faveur de la vérité pour notre temps, beaucoup ont du tact, de la perspicacité, de bonnes qualifications. Elles peuvent encore accomplir une œuvre féconde. Et nous avons besoin du concours de telles femmes chrétiennes, nous dit Ellen G. White dans Évangéliser, page 470. Mais aussi, il y a des personnes qui, sous de bons auspices, veulent vous maintenir immobile dans le silence à cause de votre passé, à cause de vos enfants, à cause de vos statuts jugés hors normes. Et donc, ceci nous oblige à rester immobile. Et je parle de ce qui se passe dans nos églises. Combien de femmes ne sont pas reconnues alors qu'elles ont du potentiel, alors qu'elles veulent s'engager pour Jésus, mais bloquées par des Aman désirant leur extermination. Nous sommes là pour annoncer l'Évangile. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que nous avons été appelés? Alors nous voulons répondre. J'irai annoncer que Jésus revient bientôt.
Notre deuxième personnage qui est au centre de cette affaire, c'est Marc Daucher. Son intervention est capitale dans cette histoire. Certes, il existe des questionnements à son comportement en tant que juif, mais indiscutablement, son action reste majeure dans le livre d'Esther. Nous pouvons le caractériser de discret, réservé, franc, sans fioriture, courageux, surtout déterminé à régler cette affaire qui dure que trop longtemps. En plus, il est fin stratège. Il intime sa fille adoptive à ne rien dire de son origine pour arriver à ses fins. Il y a des moments où il faut garder le silence. De façon intelligente et perspicace, il mène jusqu'au bout un combat personnel, national et spirituel, un problème de désobéissance à Dieu. Marc Daucher est l'homme qui planifie, qui connaît les rouages administratifs. Il a le feeling pour faire avancer les choses. Son côté stratégique est très intéressant pour nous femmes aujourd'hui. Comme lui, nous avons une mission, faciliter les choses pour la bonne cause, pour sauver le peuple de Dieu. Notre héroïne a trouvé les conseils, le soutien, l'éducation et aussi une claire vision de son but en tant que reine. Heureusement, il n'y a pas que des Haman autour de nous. Il y a des Marc Daucher dans son rôle de conseiller, de facilitateur, et Dieu place à nos côtés des personnes sages, ingénieuses, avec un but précis pour nous permettre d'atteindre l'excellence et répondre comme Esther, j'irai. Le troisième personnage est l'héroïne, Esther. Daniel Arnold, dans son livre, dit « Le caractère d'Esther est le plus riche de tout le livre. » Esther semble appartenir à son entourage au point de n'avoir aucune volonté propre. Cette première impression se modifie complètement par la suite. Quand Marc Daucher lui demande d'intervenir auprès du roi, celle-ci hésite et argumente avec son cousin. Et à partir de ce moment, Esther cesse d'être la petite fille effacée. Elle prend en main sa destinée et même celle de son peuple. Elle incite immédiatement Marc Daucher à rassembler tous les Juifs. Tous les Juifs de la capitale afin de jeûner pendant 3 jours en sa faveur. Puis elle intervient auprès du roi pour son peuple. À la fin du livre, elle va même jusqu'à demander de poursuivre le massacre des ennemis des Juifs. Esther mène l'action avec une maîtrise remarquable. Voyons maintenant sa stratégie. Premièrement, rassembler. Elle rassemble son peuple. Le ministère de la femme désire rassembler toutes les femmes, toutes celles qui sont dans le besoin, toutes celles qui gémissent, toutes celles qui ont besoin d'avoir un contact avec Dieu. Deuxièmement, elle dit de jeûner, c'est-à-dire soyez ensemble pour prier, pour intercéder, pour être contrit, pour reconnaître notre dépendance de Dieu. Troisièmement, troisième élément de sa stratégie, elle s'engage. Oui, elle s'engage. Elle dit, j'irai, je rentrerai chez le roi. Et de façon miraculeuse, Esther arrive à renverser la situation en ayant une stratégie. Et celle-ci, je reprends, est de rassembler, jeûner et prier et s'engager. Nous sommes dans une communauté et il est important que nous soyons ensemble, unis pour atteindre l'excellence. Nous avons besoin d'être ensemble pour atteindre nos objectifs. Nous avons besoin d'être ensemble pour accomplir la mission. Esther rentre chez le roi.
malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai, dit-elle. Le choix est fait. La décision est prise. Mardochée, lui, exécute car le plan est juste. En temps de crise, chère sœur, cette stratégie fonctionne. En temps de pandémie, cette stratégie est encore valable. Chère sœur, le livre d'Esther nous apprend à atteindre nos objectifs et aussi atteindre l'excellence en Dieu. Souviens-toi que Dieu a un plan pour toi et avec toi, il veut te mener à l'excellence. Il veut que tu vives la vie et non la destruction. Reviens à lui. C'est une question de vie ou de mort. Accroche-toi à lui, ne te laisse pas abattre et surtout n'abandonne pas. Redresse la tête. Il est à tes côtés comme il a été à côté de notre héroïne. Dans son livre, Jésus, l'homme qui préférait les femmes, Christine Pedotti nous dépeint l'attitude bienveillante de Jésus envers les femmes. Les femmes, il a admiré les femmes. Cette femme, notamment presque invisible, au milieu des riches donateurs. Cette toute petite silhouette drapée de noir s'est hissée, si discrète que nul n'a entendu le montant de son aumône. C'est sans compter sur le regard de Jésus. Il a vu les deux pièces qu'elle a glissées dans le tronc. Une si menue monnaie que les puissants qui rivalisent de générosité ne se baisseraient pas pour la ramasser. C'est elle qu'il désigne à ceux qui le coûtent. Voyez, cette femme, cette veuve, elle a mis plus que tous ceux que vous admirez, car eux ont mis leur superflu alors qu'elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus est l'homme qui parle aux femmes. L'histoire de la Samaritaine est une conversation théologique de haute envolée. Au cours des siècles, on a beaucoup glosé sur la situation de cette femme. Une pécheresse, a-t-on dit. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas dans la norme. Il fallait qu'elle soit à l'écart des femmes convenables. Mais voilà que sous les traits de cette femme aux mœurs légères, Jésus a croisé une théologienne. La Samaritaine reconnaît en Jésus un prophète. Elle entame un débat franchement théologique. Où faut-il adorer? Arrêtons, chères femmes, de nous culpabiliser. Arrêtons de porter nos propres fardeaux. Dieu nous dit « Déchargez-vous sur lui de tout ». Arrêtons de nous sous-estimer. Arrêtons de rentrer dans le jeu des Amans qui nous disqualifient pour le service. Mais comme Esther, prenons pour guide notre Seigneur Jésus qui peut tout pour nous. Dans la vie, chères sœurs, vous serez en présence de ces trois types d'individus. Vous serez confrontés à ces personnalités, les méchants, les bons, et vous devriez adopter l'attitude d'Esther. Comme le grain de sénévé, cette petite graine a besoin de devenir un gros arbre afin que les oiseaux viennent s'y réfugier. Alors toi, laisse-toi guider par celui qui connaît le chemin et qui a un plan pour toi. Ainsi, comme les branches dénudées d'un arbre se couvrent progressivement de verdure au printemps et finissent par donner un nouveau look à l'ensemble, ainsi, les épreuves mettent souvent en évidence le caractère d'un individu. Des cœurs généreux et courageux peuvent tout à coup se révéler. Tout comme l'adversité peut mettre en lumière l'égoïsme et la lâcheté,
Esther ne change pas de caractère dans l'épreuve, mais simplement ses qualités s'affermissent. Pour trois, chères femmes, trois que la crise COVID-19 a atteint, trois qui vit dans la douleur, les injustices, la souffrance, le ministère de la femme se tient à côté de toi pour prier avec toi, pour t'aider surtout à regarder à Jésus. Nous sommes à vos côtés dans cette lutte entre le bien et le mal. Le temps est aussi à l'engagement, comme Esther. « J'irai », a-t-elle dit, « j'entrerai chez le roi. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps de COVID comme celui-ci que tu as été appelée, chère sœur. Alors, comme Esther dit, « j'irai ». »« J'irai car le Seigneur m'accompagne. »« J'irai ». Nous voulons remercier Dieu, le louer, et aussi nous engager dans cette noble tâche, lui consacrer notre vie. Si tu le veux, si tu le souhaites, prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants de ce moment passé en ta compagnie. Tu nous révèles les trésors de ta parole. Comme Esther, nous voulons nous engager. Mais souvent, la situation que nous vivons, la situation COVID-19 nous empêche d'être ensemble, de collaborer, d'avoir une relation avec les uns et les autres. Mais avec toi, nous voulons établir et garder cette relation, car avec toi, nous pourrons exceller. Seigneur, que ce moment soit un moment où tu répandes tes bénédictions sur chaque femme, sur chaque individu, sur chaque âme, Seigneur, et que ton bon esprit nous conduise jusqu'à la fin. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je suis venu au monde pour une grande mission. Proclamer l'Évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisi par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur, où que j'aille je proclamerai, de tout cœur je chanterai Seigneur. Oui, j'irai. Nous, les femmes d'aujourd'hui, prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu. Propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur, où que j'aille je proclamerai, de tout cœur je chanterai Seigneur, oui j'irai.
Abonnez si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous!